pas beaucoup depuis quelque temps. Un ami médecin lui a même prescrit des calmants. Tantôt lorsqu'il sortira, il devra faire semblant que tout est sous contrôle et puis le dire en souriant. Même si les sondages le placent un bon dernier et que les scandales vont finir par le couler. Il y a la grève générale qui ne fait qu'empirer, tous les syndicats qui ne veulent pas collaborer. Et puis comme si la marde n'était pas assez pognée, son ministre de la Santé vient de démissionner. Ce salaud vient de lui faire le coup de Judas. Il devra garder son calme devant les médias. Quand monsieur met son veston, il met sa carapace. Une fois noué la cravate, tout est beau en surface. Sous les projecteurs, il sourira plein de dents, affichant toujours son petit air confiant. Monsieur arborait maintenant les cheveux grisonnants. Durant son mandat, il avait vieilli de 20 ans. Il se souvenait de tout le travail qu'il avait fait et des gens qu'il a tassés pour se rendre au sommet. Il y a tellement de promesses qu'il n'a pas tenues. Il a si bien menti que parfois même il s'est cru. Seul dans son bureau, il méditait sur le pouvoir. Lui qui aurait aimé changer le cours de l'histoire. Mais les décisions ont souvent le sceau des dollars. On est toujours le pantin de quelqu'un quelque part. En soirée, il doit se rendre pour lire une adresse. Un puissant ami de la chambre de commerce. Quand monsieur met son veston, il met sa carapace. Une fois noué la cravate, tout est beau en surface. Sous les projecteurs, il sourira plein de dents, affichant toujours son petit air charmant. Maintenant est dans ses derniers retranchements. Dans les coulisses, déjà quelques noms sont sur les rangs. Les médias parlent de sa probable démission. Avec lui, aucune chance de remporter l'élection. Et sa grenouille dans les couloirs du Parlement. Les dauphins s'informent du roi agonisant. Mais monsieur n'est pas amer, il sait ce qui l'attend. Il a lui-même été hypocrite si souvent. Des tapes dans le dos qui auront l'effet d'un poignard. Et le concert d'éloge de ses amis charognards. Allez qu'on en finisse, il est grand temps que ça cesse. Tout est mis en place pour la conférence de presse. Quand monsieur met son